Ben non, hostie! Tabarnak, c'est quoi qui se passe? On dirait d'être dans un clip de rap. Hey, mon gars! Chris, il a changé, Ron Weasley. C'est ça qu'on fait à Marieville. Premier choc qui a joué sur le toit de ma vie. Let's go! Yes, sir! À Marieville, c'est ça qu'on fait. Des chocs sur un toit. Matraîneau! Oh. Matraîneau! Qu'est-ce qu'ils ont dessus? Ils ont... Qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on descend ici? Saute là-dedans. Attends, quoi? Comment qu'on descend ici? Saute là-dedans. Attends, lui, il veut sauter dans les scènes. Il l'a fait. Oh! Oh! What the fuck? Oh! Ah, ça... C'est l'arrêt des filles! C'est l'arrêt de la voisine! La voisine a un potage! Non, dans ça. La voisine a un potage! Ok, moi, si le monde me demande, je suis gentil, ok? Hey, ta voisine, elle va te hate maintenant, man! Première fois que je viens d'un hôtel de main, mais si je comprends pas comment ça marche. Ben voyons donc, la musique pis tout, esti! La suite! Voyons donc, tabarnak, esti! Voyons donc! Oh mon dieu! Les sacs pis tout! Ah, te voilà! Les jacks! Là, dans ce début de vlog là, salut Hélène! Hello! On peut voir Hélène naturelle! I just woke up like this. Là, Hélène a dit, hey, viens me rejoindre, on va vlogger à l'hôtel, ça va être drôle. Là, je rentre, c'est ultra riche. Ah, tout en or. Tout est en or. Des boiseries. Quand t'arrives ici, t'écris ici, tu veux une bouteille d'eau, 9 piastres. Hein? J'ai invité un gars hier, avant hier. On était tellement sous. Qui est ce gars, Hélène? Oh. Il a tout vidé le bord. C'est comme non! Le filmeur C'est vrai, hein, ça sonne bizarre, hein? Le monde arrive dans le ring comme, ok, mais Jack, qu'est-ce que tu faisais d'une chambre d'hôtel avec Hélène avant? C'est vrai que ça sonne bizarre, le monde qui nous connaît pas. C'est peut-être toi le gars mystère du monde. Mais ça, le monde, ils le sauront pas. Ok, là, j'ai une idée, j'étais arrivé avec Hélène, puis Hélène a un Facebook. Je suis plus reconnue sur Instagram. Pour vrai? Ouais, parce que sur Instagram, j'ai 218 000 abonnés. Mais sur Facebook, j'ai genre 35 000 abonnés. Ce qui est quand même très bon. Ouais, pis c'est plus personne est sur Facebook. Ben, à part les personnes pour chier. Ouais, exact. Mais mon Facebook, il est hilarant. Je vous le conseille, si vous avez rien à faire dans votre journée, allez sur Facebook pour les commentaires. C'est... Est-ce que c'est le réseau social où toi que t'as le plus de hate? Facebook? Ouais, Facebook. Okay. C'est okay. Moi, je dis tout le temps que c'est l'épicentre du hate. C'est le nid. On va aller voir s'il y a des données pis tout, c'est parti. La photo de Hélène, c'est la fameuse photo qui est dans son lit. On va aller voir les commentaires. Il y a rien dans le sac, c'est juste un décor. Ben moi, je réponds tout le temps exactement. T'as bien raison. Moi, là, je suis allée, j'ai acheté des sacs vides. C'est quoi le but du commentaire? Je comprends. Ben moi, c'est tout des sacs vides. Moi, je collectionne les sacs vides. Correct. Moi, je fais la même affaire que mes condos. Mais je sais pas. Ton Jeep est à vendre, pis y'a quelqu'un qui répond, tu as un sac de gummy, viens avec. Qu'est-ce que tu veux être tanné de l'entendre? Les estis de gummy bears, là. Mais tu sais, j'en fais la situation parce que je fais un show de gummy bears dans une semaine. J'ai un message sur. Ah, oh, j'ai-tu le droit de dire. Ben, je vais mettre un bip, c'est juste drôle. Qui me dit de me cramer les pieds. Okay. Faut que j'envoie une vidéo. Donne-moi la crème. Je te donne la crème, Émilie. C'est bien le rasé les jambes, c'est ça, c'est frais là. Bof. Ah, ok. Mais tu sais, ça, c'est un fantasme pour bien du monde, hein, les pieds. Hein. Il y a même un site qui s'appelle basemespieds.com. Ah ouais? C'est un jeu. Je me positionne. Ok, ça part. Chut. Hey, tu ris? Bon, on l'a. On l'a, bon, parfait. En connaît un qui va me masturber dans pas long. Me désabonne et curierait de te voir la face. Ben, désabonne-toi, Chris Dakar. Ce qui est à la maison de Céline Dion, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour. Mon dieu, il m'a dit bonjour. Oh mon dieu. Ok, là je vous explique, un peu plus tard dans le blog, j'ai décidé de me rendre à Drummondville pour voir qu'est-ce qui se passait avec mes chums. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le bar que vous voyez actuellement, c'est un bar de karaoké miteux. Tabarnak, c'est ça Drummond! Hey, applaudissez ma gang de 100 cœurs! Hey,
C'est ça, Drummond. What's up? Vite, vite, un bio, pas dans un appartement, je peux crier, esti! Hey, toi, mange de la merde! Oh, ta gueule! Ben oui, je suis à Drummondville, hein! Ben oui, je suis venu voir ma mère, esti! J'ai une famille, esti! Tu penses quoi que je suis une grosse merde? Oh, ta gueule! Ben, dis-le, sois pas gêné, gros con! Bon, Jean, tu me dis, tu vis gratuitement? Exactement! Tu vas me dire, c'est quoi le fait que tu te retrouves d'une maison, t'as envie de crier? Exactement! T'as peut-être besoin d'une thérapie ou d'un psychologue? Hey! T'as raison! Ton appartement, je peux pas crier! Hein? Je crierais, ma voisine me dirait, ferme ta gueule, grosse femme! En parlant de ça, là, c'est-tu moi, là? Mais le monde qui sont en appart, là, ma voisine en haut, là, anecdote, elle marche fort que le tabarnak! Pas encore lisse de ma mère! Elle marche pas de même, t'sais, elle marche pas des talons, esti, là. Elle marche de même! Fait que l'autre fois, esti, plus capable! Bah, moi, c'est ma petite galerie, esti, pis ça donne qu'eux sont en haut de moi, fait qu'une galerie, tu comprends? Fait que ça donne qu'ils parlent en haut d'autres mondes sur leur galerie, fait que je décide de donner ma galerie pour leur dire un petit mot comme ça, tu sais. Comme, hey, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange d'avoir moins un gros cul? Là, tu dis, mon dieu, Jack, ça se dit pas! Y'a une manière de dire les choses, y'a une manière de pas faire chier le monde aussi! Oh, mais Jack, ton humour est même trop cru! T'es méchant, ce que tu dis? Hey! M'en calisse! Non mais imagine être susceptible d'éviter les dos à Jack. M'en calisse. Je sais que t'es marabout si t'as pis ton chum fait toujours l'étoile. Elle avait l'air grosse sur Tinder, mais en vrai les petites en tabarnak. C'est tout à fait de petit cossin, c'est quoi ça? C'est Harry Potter, chemin de traverse, où est Hagrid? Ma mère pis ses cordes, c'est un vache là, un cheval là. Ma mère, est-ce elle voulait pas avoir des cordes, elle voulait aller au parc safari. Ok, story time! Hier, j'étais allé de friperie, regarde le livre que j'ai acheté! Les fantaisies sexuelles des animaux et les nôtres! T'as les deux, il y a eu beaucoup mon attention! Tu dis quoi, t'achètes pas des romans, Bella dans Twilight? Bella voulait se faire manger le cul par un vampire! Oui, c'est l'illustration qui me donnait le goût d'acheter le livre! Je me suis dit, c'est pas tous les jours, tu vois des pingouins fourrés! Ça m'intéresse! Meilleur livre que j'ai acheté! En quoi nous sommes différents des autres animaux? Ils sont capables de tout ce qu'on peut imaginer! Tous les fantaisies sont permises! Du ver de terre au cochon d'Inde! Moi, je veux voir comment un ver de terre, ça fout! Un sujet très controversé dans notre société actuelle est celui des appareils artificiels ou uniquement utiliser vos expériences sexuelles. Ben oui, tabarnak. Je le sais, tabarnak, le monde sont barrés là-dessus. Ça a l'air que ça choque avoir des gummy birds dans le vagin. Tu m'en reparleras, mec, t'as eu un pied dans le cul. Ça, c'est une expérience. Des gummy birds, y'a rien là, hosti. Hélène, moi pis toi, on fait le bien. Chris, y'a du monde, hosti, back in the day, qui se rentrait des concombres dans le vagin, là. Bon, pour rien, ça, y'a du monde vegan. La luciole, esti. As-tu une fois dans ta vie de te demander comment ça baisse une luciole, tabarnak? Ben moi, oui. Est-ce que c'est bon ou quand t'es au téléphone, je suis sûr qu'il y a une même? Allô? Hey! Pourquoi que je marche dans ma maison? Je sais pas pourquoi que je marche, je sais pas. Allô? Hey! Dimitri, tu m'entends-tu? Dimitri, là, je t'en ai pas! Dimitri! T'es ton funérail? L'ambiance doit être mort là-bas. Veux-tu dire ça à ton grand-père? Ah non, c'est vrai, il est mort. Comment ça, tu me trouves froid? Au téléphone, pas aussi froid que ton grand-père! Oh! Oh! C'est Stromae qui s'en va d'une réunion de famille pis il dit papa ou t'es? Oh! Non, mais imagine faire des vlogs sur la chaîne pis qu'il y ait des documentaires pis que le gars fasse des contrats de vidéo parce que oui, je fais ça pis fasse des vlogs de même, genre. Le gars, il gueule, il est speedé, il est sérieux. Branche-toi pis j'ai juste envie de te dire olé! Je suis la, je suis le YouTuber. Okay. J'ai jamais demandé à avoir un doigt dans le cul, mais j'ai aimé ça, oui! Voyons, Jack, ça te fait pas être à Drummondville de pas être dans ton appartement, on te reconnaît plus, t'es pas le même gars! Moi, je garde toute ma rage, tabarnak, bro, de crier! Là, ça sort, éteignez la champlure de nuit!